pouvoir cumuler les passerelles et un trail de montagne, c'est parfait, c'est magique. C'est de se faire un petit peu mal, c'est de voir le lac, c'est de courir et puis c'est le pique-nique après. C'est plutôt des terrains qui sont assez doux et qui sont assez agréables à courir. Quelques points de vue exceptionnels, dont celui sur le 65 au sommet du Snépi où il y a un 360 qui est assez exceptionnel sur le Vercors et puis les Écrins. C'est pas la haute montagne, mais c'est quand même très vallonné. Moi, j'aime beaucoup ces types de parcours équilibrés. C'est vraiment un petit peu ma vision du trail. Voilà, vous voulez qu'on vous aide? J'aurais servi à quelque chose de moi aujourd'hui. Magnifique. Franchement, c'est top. Il y a des paysages magnifiques. Faut venir, faut le faire, quoi. C'est super, mais c'est le rush, là. Un peu plus loin que la moitié, donc normalement ça va aller maintenant. Il y a un point de vue là-haut qui est magnifique, superbe, superbe. Moi dans la Joëlette ça se coupe pas mal. Ah, pour moi en tout cas c'est vraiment cool et je crois qu'eux aussi ils prennent du plaisir. Pas pour le chrono, encore pour le plaisir. Et la vue est super, les passerelles. Franchement, je le conseille à tout le monde. Le cadre au top. Je recommande à tous ceux qui hésitent de le faire, faites-le. Le parcours, le lac, l'ambiance, le paysage, l'ambiance. Hein, oh, putain.